Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la troisième partie de la quatrième affaire de Phoenix Wright. Voilà, on retrouve Maya, qui était enfermée, parce que je vous rappelle, elle avait été virée du tribunal pour outrage à la cour. Sinon, pas de cadeau à Noël. Oula. Le son est un peu fort dans mes oreilles. Alors, discuter. Ça va alors. Parce que c'est toujours un gros paquet d'argent. Bah ça va être dur. Hein. Sachant qu'elle rentre dans son corps. Alors là, je pense qu'il faut aller là pour la faire libérer. Ah non. Ah ouais. Bon bah on va aller au lac du coup. Je me rappelle même plus qui c'est celle-là. Bon, de toute façon, c'est encore la même chose. C'est nous qui le remercions, quoi. Ce pétage de gueule. On va faire ça. Ah, la fameuse affaire d'Alcis hein, qui revient à chaque fois. Ouais, on n'a pas dû le rencontrer le deuxième. Alors.
Hein? Ouais, pas con. D'ailleurs, j'aurais bien McDo, là, si vous pouvez me payer. Non, je te code. Ce que j'aime bien avec Eva, c'est qu'elle a laissé toutes ses ordures sur, sur le truc, elle s'est barrée. Du coup, bah, on va retourner voir, Maya d'abord. Elle est... Ah ouais, là ça fait comme si on était dans notre cabinet. Je peux faire suggestion, c'est pas très utile. Je pense qu'on va retourner là. Ah ben voilà. Ouais, surtout quand il dit des conneries, hein. Décidément. Alors, ce qui est marrant avec leur renvoyer l'ascenseur toutes les deux minutes, c'est qu'en plus le truc de Hunter qui a vu son père se faire tuer, c'est dans un ascenseur, donc c'est dans le thème. Ah, elle est carrément marseillaise. Ah, mais j'aime pas cette francisation à la con. M'excuse auprès des Marseillais qui regardent cette vidéo. Alors, bah, échange. J'aime pas ce que c'est, l'échange, mais. Sale pute. T'es pauvre quoi. Thank you.
Non, je vous l'avais dit, hein, le samouraï d'acier, on va le voir assez souvent dans la série. Un peu un symbole. Plus important quand même. Quelle pute, sous notre gueule elle ou quoi? Madame, je chiale toutes les deux minutes. Hein. On a pas grand chose à faire, tout ce qui est intéressant là-dedans. C'est que il y avait un problème avec son compresseur. Vous verrez, ça peut. C'est un rapport avec l'affaire. On va se barrer d'ici. On va aller au poste de police pour aller récupérer un objet qui va nous servir. Il est bipolaire ou quoi? Pas personnellement. Je connais sa femme. Une vraie gamine. Ouais, c'est ça. Ça, vous allez voir, c'est assez marrant. Il se fout de notre gueule. Enfin un truc intéressant. Bon alors, en vrai,
En vrai, il n'y en a qu'une qui va servir, c'est le détecteur de métaux. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre le chien ou la canne à pêche. Et puis faire un peu le tour du lac, machin. Il y a des scènes assez sympas. Que je vais pas vous montrer parce que sinon la vidéo va durer 50 minutes et je préfère pas. Voilà, après. Enfin, moi, je fais découvrir le jeu et puis. Vous pouvez très bien le refaire de votre côté. Non, c'est un peu con quand on connaît déjà le. C'est vrai qu'on oublie vite. Hein. Moi, par exemple, je me rappelle même plus de certains trucs de l'affaire 3 là. Enfin, c'est peut-être moi qui oublie vite aussi. Ouais, je fais pas tous les dialogues parce qu'ils sont pas forcément utiles. Je préfère avancer. Alors. Bah, une fois qu'on a le détecteur de métaux, il suffit de bouger normalement. Non, c'est pas ça. Ouais, t'es sûr. Mais putain, elle nous prend trop pour son chien. Du coup, c'est pas là qu'il fallait aller. C'est là, du coup. On dirait pas pour la traduction, mais il n'y a pas que les dialogues qui ont été traduits. Remarquez, les images ont été traduites. Bah, en japonais, c'est écrit en japonais, en anglais, c'est écrit en anglais, là, c'est écrit en français, quoi. Logique. Et donc, du coup, ils doivent retravailler les images, quoi. Et des fois, c'est assez chiant, hein, parce que des fois, c'est assez compliqué. Ah. Ça a dû déclencher l'appareil photo. Ouais, donc cartouche d'air, ça a forcément un rapport avec le truc à air de Paul. On va lui montrer. Il nous cache ça. Et donc il la balance dans les buissons, normal.
C'est trop bizarre les gens comme ça qui veulent pas dire directement. Ça fait super suspect quoi. Il aurait pas pu nul d'avant, il se fout de notre gueule, quoi. Enfin, c'est pas du tout important. Voilà, enfin, vous l'auriez compris. Il n'y avait pas de monstre, c'était en fait le ballon de Paul. Je peux lui présenter quand même pas dans l'écran. Ah non. Pas tout de suite. Je crois que c'est la première fois dans les phases d'enquête qu'on présente des preuves comme ça pendant les dialogues. Il y a même les musiques du tribunal. L'imbécile qui se trouve être un ami. Je vais rien dire sur sa dernière phrase. Thank you.
Je crois que c'était un jeu de mots. Alors, la photo. Non, on peut même pas la voir. Je pense surtout l'heure qui est importante, à 23h50. Ouais, se dire qu'il n'y avait pas encore la barque à ce moment-là. Elle s'est barrée en laissant sa voiture. On va dire qu'elle est en train de ranger ses affaires. Alors, on va aller à la boutique de barque, hein, du coup. Ouais. Allez voir, il est pas mal ce perso aussi. Moi j'aurais dit oui, petit héritage tranquille. À la bonne nuit. On va le donner à Paul, à la bonne nuit. Un perso assez original. Je pense que là c'est pareil, c'est la francisation qui fait ça. Parce que normalement c'est au Japon, je sais pas trop le délire. Ça doit parler des nouilles en Chine et des nouilles au Japon, je pense, une connerie comme ça. Ah, il croit qu'on est dedans en plus. Il est con. Complètement allumé ce mec. Forcément, il sait des trucs, hein. Sinon, Von Karma l'aurait pas pris comme témoin, je pense. Alors, bah ouais, on va lui montrer notre badge. Ça, fallait le deviner, hein, quand même. En général, dans le jeu, quand on sait pas trop quoi faire, on montre toutes les preuves une par une à chaque perso. Parce que je vous rappelle qu'on peut montrer notre badge à chaque perso du jeu et à chaque fois il y a un petit dialogue.
On va parler à l'oiseau. Bon. Hein? C'est quoi ce délire? Quel coffre? Je crois qu'on peut rien faire de plus ici. Bien dit, bien dit. Ok. Bon, bah on a la preuve prérequis maintenant. On va partir d'ici pour l'instant, parce qu'on peut pas trop le faire parler encore. Bah quand même cette phase est assez compliquée, on dirait pas, parce que moi voilà, je sais ce qu'il faut faire. Mais quand on sait pas, c'est le bordel, hein. Faut déjà trouver le bon instrument entre la canne à pêche, le détecteur et le chien. Aller au bon endroit. Présenter la badge d'avocat, enfin c'est le bordel. Merde, j'ai même pas lu ce qu'elle a dit. What the fuck? Bah du coup on peut pas faire parler Alice. Bah merde, je crois que c'était là. Je me rappelle qu'il fallait venir là un moment. Du coup... Est-ce que j'ai oublié un truc là-dedans? Non. Je vois pas, hein. Thank you.
Étonnant qu'il ait pas amené ses témoins directement. Ah voilà, c'est là qu'il fallait y aller. Je suis allé un peu trop tôt. Ouf, alors ça... Ça choque. Voilà, donc le perroquet a un rapport avec l'affaire d'L6. Enfin, le perroquet ou quelqu'un qui est passé par là. Car le perroquet est le tueur. Quack, 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 quack. Voilà, j'étais parti un peu trop tôt. Vous voyez, hein, c'est pour ça que je zappe quelques dialogues et tout, parce que... J'arrive quand même à faire 40 minutes de vidéo. En plus, c'est pas encore fini, là. Bientôt, bientôt. Voilà. Donc là, on va présenter le perroquet directement. J'adore quand on nous met des flashbacks d'un truc qu'on a vu il y a 2 minutes, quoi. C'est n'importe quoi. C'est clairement lié, enfin l'affaire d'L6 c'est clairement lié à l'affaire en cours, quoi. J'ai pas fait les trucs dans le bon ordre, normalement j'aurais dû le montrer le perroquet après. Ah d'accord. Mais qu'allons-nous trouver? Tintin, 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 tintin.
Il est plus jeune que moi. Plus jeune que moi, il est avocat. Normal. Alors, 2001... Ça, c'est ce que nous avait dit déjà... Je crois qu'Hunter nous l'avait déjà dit, ça. Ah. Déjà un premier lien. C'est chaud quand même. Un gamin de 9 ans, bloqué dans un ascenseur après un tremblement de terre. Il se réveille, son père est mort quoi. Il venait de perdre un processus. Le truc c'est qui était la troisième personne quoi. Voilà. Alors, j'espère que vous suivez. C'est pas si compliqué que ça. Donc, il a défendu l'assassin du père de Hunter. Donc en plus, ça fait un mobile pour Hunter de l'avoir fait quoi. Et comment il a réussi à l'innocenter hein. Un mec pareil quoi. Comment tu peux innocenter? Il y a trois personnes bloquées dans un ascenseur. Il y en a une qui est morte, l'autre c'est un gamin. Et comment ils arrivent à innocenter le troisième mec? Ouais, voilà, donc on en sait un peu plus sur l'affaire Delsis, qui a apparemment un lien avec notre affaire en cours. On sait toujours pas... Enfin, on sait absolument rien sur le meurtre. Comment ça pourrait ne pas être Hunter. Enfin... On va nous souhaiter bon courage, on va essayer de faire parler les gens dans la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. Salut !